Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Issam, coach sportif à domicile et en entreprise, et j'ai été missionné par le CMIE, votre service de santé au travail, qui m'a demandé de vous maintenir en bonne forme et en bonne santé durant cette période de confinement. Alors, il est vrai qu'on a tendance à passer un peu plus de temps en cuisine qu'à faire des abdominaux, donc on est parti pour une bonne heure de remise en forme, histoire de rester en mouvement et en bonne santé. Alors, on va s'éloigner de ses écrans d'ordinateur, retirer ses mains du clavier, parce qu'il est vrai qu'on a l'habitude de dire que le travail c'est la santé, mais le télétravail ça l'est beaucoup moins. Donc on enchaîne, on va aller vite enfiler son survêt, ses tennis, et on aura besoin de trois choses. Première, un tapis de gym. Deuxième, une petite serviette. J'insiste, une petite serviette de toilette. La dimension est importante pour l'exercice qu'on va faire avec. Et une grande bouteille d'eau. Si vous n'avez pas de tapis de gym, c'est pas grave. Une grande serviette de main fera l'affaire, la petite serviette et la bouteille d'eau. Ok ? Chose importante, très importante, je serai accompagné durant la séance de Ella. Ella qui me rejoint. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, Ella va vous montrer les exercices option débutant. Pendant que moi, j'effectuerai les exercices intermédiaires, voire confirmés pour certains exercices. On est parti ? Allez, feu. Allez, je vous laisse mettre pause sur l'écran, le temps d'aller chercher votre matériel, serviette, bouteille d'eau, tapis, puis on enchaîne sur l'échauffement. Allez, go, c'est parti. Ok, tout le monde en position, les tapis, on peut les écarter, les tapis, on n'en a pas besoin pour l'instant, on n'en a pas besoin pour le début de l'échauffement. Ok, pieds largeur hanches, bras relâchés le long du corps. On va commencer à dérouiller un petit peu nos petites épaules. Vous devez bien connaître ce mouvement. Enroulez les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Restez bien face à moi, face à l'écran. Moi, je me mettrai de temps en temps de profil pour que vous puissiez bien voir certains exercices. Mais vous restez toujours face à votre écran. Ok ? Vers l'avant, vers le haut. Le plus important, c'est vers l'arrière et vers le bas. Abaissez ses épaules, la nuque longue. Un petit dernier. Ok, on garde l'épaule basse. Main droite. Main droite, on va passer au-dessus de la tête. On va aller choper un petit bout d'oreille ici. On va incliner la tête ici sur le côté, sur la droite. Allez-y doucement. Si ça coince, si ça bloque dans les cervicales, on ne force pas. Donc, petite inclinaison de la tête et abaissement de l'épaule gauche. Là, comme si on voulait se décrocher le bras. Et on maintient cette position juste quelques secondes. On étire un petit peu sur son trapèze. Juste quelques secondes. Ne forcez pas, n'y mettez jamais d'un coup. Ok, laissez glisser la tête dans la main. Ça revient doucement. On se refait nos petits enroulés des épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Et j'abaisse, j'allonge le cou, la nuque. J'allonge le cou, la nuque. Encore deux. Grand. Petit dernier. Ok, main gauche. On passe au-dessus de la tête. Au-dessus, j'attrape un petit bout d'oreille ici avec mon majeur. J'incline doucement comme d'habitude. On ne force pas sur l'étirement de ce trapèze. Abaissez bien cette épaule droite très bas. Voilà, comme si on voulait se décrocher le bras, aller toucher le parquet avec le bout des doigts. Laissez doucement glisser la tête. Revenez. Dernier petit enroulé des épaules pour la route. Ouais, encore un peu. Là, un petit dernier. Ok, gardez épaules basses. On garde bien cette épaule bien basse. On part sur quelques petites élévations latérales. Ok, on va serrer les cuisses. Hop, là. Les fesses, tac, bétonnez. Le nombril, aspirez. On a gagné nos abdominaux. On part sur élévation latérale. On ne dépasse pas l'horizontale. Je reviens, j'inspire. Allez, on va rythmer un peu. On est parti. 1, on enchaîne. 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, on fait un peu de rame. 1, 2, encore, 3, 4, on accélère. 5, allez, 6, 7, 8, 9, on reste en haut. Petit cercle, petit. Regardez mes épaules, elles ne sont pas là. Elles sont là, épaules basses, nuque longue, le ventre, je reste engagé, je resserre ses abdominaux, nombril aspiré, faites-moi attaque de guêpe. Pareil dans l'autre sens. Change le sens de rotation donc. Allez, on enquille encore, encore, encore. Ça chauffe un petit peu. Si ça chauffe dans les épaules et les trapèzes, c'est normal. Si vraiment la douleur est insupportable, pour ceux qui ont des petits soucis au niveau des cervicales, n'hésitez pas à relâcher les bras. Relâchez les bras, puis ensuite vous revenez. Okay? Donc là, on va fléchir. Relâchez pas l'engagement des cuisses, la contraction des fesses, les abdos serrés. Bras tendus au-dessus de la tête. On est parti en soufflant. Go! 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Devant, derrière. Là, 1. Et on enchaîne. 2. Le plus important, 3. C'est d'envoyer ses épaules en arrière pour engager bien ses muscles du dos. Ok ? Envoyez bien les épaules en arrière. Allez, go. Rythmé. 1. Allez, plus rapide. 2, 3. Le ventre. 4. Les fesses. Serrez. 5, 6, 7, 8,
9, 10, relâchez. Parfait. On relâche. J'ai le bras droit qui passe devant, puis le bras gauche qui passe au-dessus. On alterne un coup bras droit, un coup bras gauche. Relâchez bien ce dos. On va écarter un petit peu les pieds. Ok. On part sur des petits swing, back swing. Un petit peu comme un golfeur qui s'échauffe un peu avant le practice. On va enchaîner petit swing, back swing. Alors le mouvement, il est fluide, très fluide. On y met une petite impulsion et je me fais embarquer par l'inertie. Là, là, là. Voilà, on est assez passif sur ce mouvement. Assez passif. J'ai la tête qui tourne un tout petit peu. Allez, pas regarder derrière vous. Sinon, ça va vous donner le tournis. La tête tourne juste un petit chouïa. Ok. Là, on va être un peu plus actif. Fléchissez les genoux. Les pieds bien à plat. Je gaine les abdos. Ok. Et là, on est bien actif. Là, on est solide sur nos abdominaux. Gainez sur les abdos. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Gardez ce placement. Flexion des genoux. Flexion des genoux. Les bras tendus devant vous. Épaules basses, rotation muscle. 1, souffle tour. 2, souffle tour. 3, 4, 5, 6, 7, plus que 3. 8, encore, tour de bien. 9, et sors la taille. 10, relâche. Ok, bras gauche qui passe au-dessus, bras droit qui passe au-dessus. On alterne. Très bien, main sur les hanches. Ok, on est parti sur des petites inclinaisons. On a bossé les rotations au niveau du trot. Ok, on va échauffer un peu le dos en inclinaison. Main sur les hanches, je lève bras droit. Avec moi, suivez-moi. Là, c'est ça, et là. Et tu me suis, allez, en bas, bras gauche. Allez, go. Là, là, c'est ça, là. Très bien, hein. Regardez-moi, regardez bien mon placement. Je passe sur une pointe de pied à chaque fois. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est l'extension du bras. Allez, décrochez cette épaule, allez toucher le ciel, là. Décrochez. Décrochez ce bras et sort d'étirer dans le grand dorsal. Détirer dans le grand dorsal de chaque côté à chaque fois. Encore, grand. Parfait, gardez les mains sur les hanches. La même chose, on y ajoute un petit quart de squat. Et on démarre, bras droit. Quart de squat, popotin vers l'arrière. Hein. Quart de squat, popotin vers l'arrière. Et je monte sur la pointe de pied. On y va ensemble. 3, 2, 1, go. Quart de squat, ça monte. 1, quart, 2. Quart de squat, 3, je décroche le bras. 4. 5, quart de squat, je monte. 6, 7, c'est ça. 8, 9, la der. 10, quart de squat, on fait petit pulse. Petit pulse, je ne tends plus jamais les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, parfait. Gardez les mains sur les hanches. Petit cercle ici avec le bassin, déroulez un peu le bassin, les hanches. Un petit peu les lombaires, on déroule un petit chouïa. Parfait. On change le sens de rotation. Gardez toujours les mains sur les hanches. Les pieds un peu plus écartés que la largeur bassin. Les pointes de pied légèrement ouvertes. On va simuler un swing avec ce qu'on appelle un kettlebell. Je vous passe les détails techniques, mais on va le faire à vide. Là, essayez de faire votre quart de squat que vous avez fait tout à l'heure. Sauf qu'on va envoyer les fesses beaucoup plus loin derrière. Dos plat. Dos plat. Le secret du dos plat, c'est les fesses sorties. Ok ? Et on va balancer un coup de rein vers l'avant. Ici, là. Tac ! J'ai serré les cuisses, serré les fesses en cachet le ventre. Ok ? Le plus important sur le coup de rein, c'est fesses serrées. Ok ? On y va ensemble. 3, 2, 1. Allez. 1. Souffle, serre. 2. Souffle, serre les fesses. 3. Serre. 4. Fort. Et là, 5. Voilà. Serre fort, fessier. 6. Ouais. 7. Voilà. 8, dos plat, fesses serrées, 9, encore, 10, on fait 5, encore, 4, 3, 2, 1, parfait, gardez les mains sur les hanches, dérouillez un petit peu, dérouillez un peu dans un sens, dans l'autre, cette fois-ci l'écartement, on va le réduire, les pieds bien parallèles, largeur de hanche, main hauteur d'épaule, regardez, j'arrive à toucher mes épaules avec les pouces ici, ok, extension des bras, je vous montre, regardez bien, j'inspire là-haut, je redescends et je souffle flexion buste. Mes genoux légèrement fléchis, à peine déverrouillés. Et un joli dos plat, popotin sorti derrière. Ok ? On remet ça ensemble, on inspire là-haut. Et souffle. Et souffle, fesses sorties. 2. Fesses sorties. 3. Encore. Fessiers sorties. Étirez les ischios. 4.
et tirer l'arrière des cuisses. 5. On doit ressentir un étirement intense. 6 sur l'arrière des cuisses. 7. Encore. 8. 9. On reste en bas. Restez là. On ne regarde pas devant soi. Alors là, vous êtes un petit peu obligé de regarder votre écran. Donc redressez un petit peu la tête. Regardez-moi. Bras tendus vers l'avant. 5 fois. 1. 2. 3. 4. 5. Main vers le sol. Coude vers le ciel. 5 fois. Gardez le dos plat. 3. 4. 5. Rotation buste. On va toucher tibia opposé. Tibia opposé. Voire coup de pied. Voire pour les confirmer, on touche le sol. 1. 2. 3. 4. 5. Fesses sorties. 7. 8. 9. 10. Main sur les cuisses. On déroule. Déroulez lombaire, dorsale, cervicale. Je croise les doigts. Loin devant. Fléchis les genoux. Je rentre les fesses. J'abaisse les épaules. Je rentre le menton, j'arrondis le dos. Poussez les vertèbres dorsales vers l'arrière et les paumes de main loin de vous. Revenez un peu inspiré. Et souffle. Reviens, inspire. Et souffle. Reviens dernière. Et souffle, on la garde plus longue dans celle-là. On garde. Parfait. On revient. Parfait, très bien. Ok, on reste face à moi. Alors on va partir sur des petites montées de genoux. Version débutant, main sur les hanches, montée de genoux en piétinant sur place. Vous suivez là. Montée de genoux. Voilà, on commence tous, option débutant. Ok, c'est ça, petite montée de genoux. J'essaye de faire le moins de bruit possible au sol. Voilà, le moins de bruit possible au sol. Ok, ne tapez pas des pieds dans le sol. Ok, pour les autres, on va faire ça en trottinant. On est parti sur quelques petites secondes, ça ne va pas être long. 3, 2, 1. Allez, go. Pour les autres, avec moi, en trottinant, sur pointe de pied, je fais le moins de bruit possible. Coordination bras. Coordination bras. On reste grand. Ok, main sur les hanches. Montée de genoux droit. Montée de genoux droit. Ok. Allez. On pose à peine la pointe de pied et on enchaîne. 1, 2, 3, 4, rapide. 5, on enchaîne. 6, allez. 7, accélère. 8, 9. Ok, ce même pied droit. On va l'attraper. Restez face à moi. Petite flexion de la jambe de terre. Ok, on étire ce quadriceps. Talon dans la fesse. Si on peut, on essaie d'aller l'attraper à deux mains. Et pour l'en arrière, torse bombé. La nuque longue. Enfoncez dans la fesse. On peut même essayer de rétroverser ce bassin-là. Hop, et je garde la rétro. Parfait, ça revient de face. Montez de genoux, main sur les hanches. On piétine sur place, les deux jambes. Main sur les hanches. Pour les autres, allez les confirmer avec moi. Point de pied. Uniquement jambe gauche, tout le monde. 1, 2, on accélère. 3, rapide. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, on attrape ce même coup de pied gauche. Ok, restez là. Flexion de la jambe d'appui. Si je peux, à deux mains. Épaule derrière, torse bombé. J'étire. Et le bassin. Rétroversion. Rétroversion, je garde. Allez, maintenez cet étirement. Soufflez. Ok. Si, les mains sur les hanches. Si vous aussi, comme moi, vous commencez à avoir un petit peu chaud, c'est normal. N'hésitez pas, comme moi, ouvrez un peu les fenêtres. On ouvre grand les fenêtres. Ouais. Parfait. Ok, on était sur les montées de genoux, on part sur les talons-fesses. Ok. Donc, mains sur les hanches, tout le monde. On piétine sur place pour les débutants avec elle là. Les pieds proches, elle là. Quasi joints. Super. Ok, pour les autres, pointe de pied et on trottine, talon fesses, là, là, c'est ça, allez c'est pas long, c'est juste quelques secondes, ok relâchez, jambe droite, main sur les hanches tout le monde, jambe droite, talon fesses, 1, 2, 3, rapide, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez on met du rythme, ok, pieds joints, fléchissez les deux genoux, penchez en avant, tendez cette jambe droite devant. Hop,
important, regardez mon bassin. Je sors les fesses et je vais poser main sur les cuisses. Sur genou, si je peux. Pour les autres, si je peux, tibia, voire pointe de pied. Et je tire cette pointe de pied vers moi. Gardez fesses sorties. Soufflez, maintenez. Soufflez, maintenez. Parfait, ça revient. De face, on repart, main sur les hanches, talons, fesses, en piétinant. Pour les versions débutants, sans impact. Les autres avec moi. Allez, entre dessus. Là, 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 là. Ouais, c'est ça, comme là. Mettez du rythme, les débutants. Mettez du rythme, les débutants. Allez, il faut qu'on est chaud quand même. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, jambe gauche. Talons, fesses. On commence doucement. On commence doucement. On va accélérer. Allez, rapide. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pieds joints. Fléchis. Penche. Ok. Tends cette jambe gauche. Je sors les fesses. Main sur les cuisses. Sur genoux. Tibia, si je peux. Pointe de pied. Et je garde. Parfait, je reviens. Prenez vos tapis. Prenez vos tapis. Ok. Très bien. On monte sur les tapis. Tout le monde. Pied largeur hanche. Voilà. Hanche, c'est un petit peu plus étroit que largeur bassin. Hanche, c'est à peu près largeur épine iliaque. Bassin, largeur de notre bassin. Voilà. Assez étroit. Très bien. Ok. Tout simple. Là, on est chaud. On peut se permettre de faire un petit enroulé. Aller au sol. En conservant les genoux et les jambes tendues. Donc je vais enrouler mes cervicales, mes dorsales, mes lombaires et je descends. Je garde jambes tendues, je reste en bas. Voilà. Pour ceux qui peuvent avoir le sol, tant mieux. Ceux qui ne touchent pas le sol, c'est pas grave. On n'est pas d'à-coup. Je ne veux pas vous voir mettre des à-coups ici. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ok, gardez les jambes tendues, allez aussi bas que vous le pouvez. Si ça coince, on s'arrête. On souffle, relâchez, détendez-vous. Sur chaque expiration, vous irez plus loin. Ok, allez, maintenant fléchis les genoux, on marche avec les mains. J'écarte grand les doigts. J'écarte grand les doigts. Sur les paumes de main, une belle planche. Une belle planche. Je reste en planche. Les épaules basses, la nuque longue, les fesses serrées. Et je maintiens là 10 secondes, c'est tout. 9, 8, 7. Le nombril, 5, laissez pas tomber le nombril par terre, 4, aspirez-moi ce nombril, 3, le ventre rentré plaqué, 2, 1, on fait le chemin inverse, tanguez pas de gauche à droite lorsque vous allez marcher en arrière. On déroule, on remonte, on est toujours sur son tapis, pied largeur hanche toujours, je monte sur les pointes de pied, je reste là. Ok, de l'équilibre sur ses chevilles, je vais serrer les cuisses, serrer les fesses, aspirer le nombril, les coudes sont pas complètement tendus, c'est pas grave, abaissez les épaules. Abaissez ses épaules et là, ventre, aspirez le nombril. Imaginez que ce gainage abdominal propulse vos viscères, propulse vos côtes et votre cage thoracique vers le plafond. Ok, grandissez-vous par les abdos. Mais serrez les cuisses et serrez les fesses toujours. Les épaules basses, posez, relâchez. On enroule, on retourne vers le sol. Gardez les jambes tendues. Restez là quelques secondes. Si on a le sol, tant mieux. Si on ne l'a pas, ce n'est pas grave. Fléchissez les deux genoux. Attrapez fermement vos deux chevilles. Quand je souffle, je vais tendre jambe droite et je vais lever le bras droit vers le ciel. Fléchis les deux jambes, inspire. Je souffle, je tends uniquement jambe gauche et je lève bras gauche. Ah ok, avec moi on en fait 6, go. 1, souffle. 2, souffle tend. 3, souffle tend. 4, encore 2. 5, l'adhère. 6, gardez les deux mains aux chevilles. Gardez les deux mains aux chevilles. Et là, on va essayer de tendre les deux genoux. On ne lâche pas ses chevilles. Pour ceux qui arrivent à tendre les genoux sans grande difficulté, on peut partir sur ce qu'on appelle un étirement intense. Je garde les jambes tendues, le nombril aspiré, je me grandis, je m'allonge. Et j'essaie de rapprocher la poitrine et le front, cuisse, genoux, tibia. Fléchissez les genoux, marchez avec les mains de nouveau. Planche. Planche, épaules basses, nuque longue. On va aller poser le pied droit à côté de la main droite, là. Ok, élevez cette main droite. Je reviens. Planche, pied gauche, main gauche. Et je lève le bras.
Je reviens. Pied droit. Je reviens. Pied gauche. C'est le dernier. Posez. Planche. Posez les genoux. Child pose. Child pose. L'étirement du child pose. Deux versions. Soit bras tendus, reste devant. Voilà. Et on relâche. On envoie les mains loin devant. Ou soit bras le long du corps. J'attrape mes chevilles. Je pose le front sur le tapis. Comme vous le souhaitez. L'un ou l'autre. Ou un peu des deux. Ou un peu des deux. Comme vous le souhaitez. Soufflez, récupérez. On part sur un petit chien tête en bas. Restez à quatre pattes. Restez à quatre pattes. Notre petit chien tête en bas, on va se mettre à quatre pattes. Doigts très écartés. Tous les exercices qu'on effectue sur les mains, les paumes de main, écartez grand ses doigts. Main à plat. Je ne veux pas vous voir bout des doigts. Je ne veux pas vous voir sur les poings. Main à plat. OK? À quatre pattes, les mains un tout petit peu plus loin que les épaules. Voilà, les mains ne sont pas sous les épaules, un petit peu plus loin. Je crochète bien mes chevilles. Je crochète bien mes orteils. Je décolle les deux genoux. On va le décomposer ensemble. Je décolle, je rentre, je monte les fesses vers le ciel. Je tends uniquement une jambe. Regardez, je vais tendre ma jambe droite et enfoncer le talon droit dans le sol. Change, gauche. J'inspire, change, droite. J'inspire, change, gauche. OK. Restez les deux genoux fléchis. Rentrez de nouveau. Et là, on tend les deux jambes. Les deux genoux tendus, talon sol. Allez, maintenant qu'on est jambes tendues, talon sol, pour les autres, ceux qui peuvent. Les confirmer. Rentrez encore, rentrez encore, rentrez encore. Rentrez encore. Sortez ses fesses. On gagne les abdos. On marche avec les mains à reculons. On marche avec les mains à reculons. Mains sur les cuisses. Je déroule. Lombaire, dorsale, cervicale. Parfait. On boit un coup. Virez les tapis. On boit un petit coup. OK, on est parti sur trois blocs. Trois blocs d'exo. Un premier bloc dans lequel il y aura jumping jack, thruster, pompe, qu'on effectuera deux fois. OK? Donc on commence par ce premier bloc d'exercice. Pour l'instant, on n'a pas besoin de tapis. Vous pouvez les mettre sur le côté. Jumping jack, version débutant. Regardez bien là, suivez-la bien. Ce qu'elle fera, c'est qu'elle sera pieds joints, genoux un peu fléchis, fesses un peu à l'arrière, un peu penchées en avant, main à hauteur des cuisses, main à hauteur des cuisses ici. Et là, elle va écarter simultanément une jambe, un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche, OK? Là, en touchant le bout des doigts au-dessus de la tête. Hop, et je reviens. Faites l'effort de rester bien fléchi sur vos appuis, OK? Donc, ça va être là, là, OK? Donc, suivez-la. Voilà. Ceux qui n'ont pas l'habitude, allez-y doucement, prenez votre temps. Pour les autres, suivez-la. Elle va mettre du rythme, hein? Elle va mettre du rythme. Les confirmer avec moi sur pointe de pied, ça sautille sur place. On est parti pour 45 secondes. Je lance le minuteur. 3, 2, 1, feu. Allez, go. Voilà, sur pointe de pied. Les confirmer avec moi. Ça sautille sur place. Alors, on est tonique sur les jambes. On est tonique sur les bras. Et, chose importante, on est tonique sur le ventre. Gardez le ventre engagé. Nombril rentré. On est gainé. 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 Allez. Encore, encore. Allez là. Mettez du rythme, toujours sur pointe de pied. Le moins de bruit possible au sol. Je ne dois pas vous entorse, vous entendre sautiller au sol. 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, relâchez. OK. On est parti. Prenez vos bouteilles. La fameuse bouteille. On ne la prend pas pour boire, on va faire un exercice avec. C'est le thruster. OK, peu importe la taille de votre bouteille, qu'elle fasse 50 centilitres, 1 litre 5 ou 2 litres, on s'en fout, c'est pas grave. On va la mettre ici, face au sternum. Les pieds importants, le placement squat. Moi j'insiste, je veux les pieds un tout petit peu plus que largeur bassin, tout petit peu plus, et les pointes de pied légèrement ouvertes, légèrement canard. Bouteille devant le sternum. OK, le thruster, c'est le combiné d'un squat et d'un développé bras au-dessus de la tête. Vous ne prenez pas la tête avec les bras, vous allez voir, ça va être instinctif. Les bras vont monter tout seuls. La priorité, c'est votre squat. Les débutants, regardez là, demi-squat. Et ça monte. Demi-squat. Les intermédiaires, voire même confirmer, même intermédiaire, pardon, en bas, squat complet, et ça monte. On y va ensemble. 25 reps. 3, 2, 1, go. Là. 1, 2, 3, 4. 5, 6,
9, encore. 10, là. 11, sur les talons. 12, on ne se penche pas trop en avant. 13, 14, 15, ouverture cuisse, pression talon. 16, ouverture cuisse, pression talon. 17, ouverture, pression talon. 18, 19, 20, encore 5. 1, 2, 3, 4, la dernière. 5, parfait, relâchez. Super. Prenez vos tapis. Pompe, version débutant. Version débutant comme elle a. Vous allez être à quatre pattes. À quatre pattes. Les doigts écartés. Là, petite rotation des coudes. Hop. Petite rotation des coudes. Ici, les coudes doivent s'orienter vers ce qu'on appelle une rotation externe des bras. Que les genoux soient un peu écartés. Ok, et là, on va essayer de descendre. Non pas le visage vers les mains, mais la poitrine vers les mains. Tout en gardant les fesses là-haut. Version débutant, on est là. On est là. Poitrine. Le visage va au-delà des mains. Et je pousse, je reviens. Poitrine vers l'avant. Et je reviens. Intermédiaire, ça se fait à genoux toujours. Sauf qu'on s'allonge un peu plus. Les confirmés, vous vous y attendez. C'est jambes tendues. On passera en mode confirmé après. Commencez intermédiaire avec moi. 15 répétitions à mon rythme. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, jambes tendues, les confirmés. 8, allez, gagnez. 9, 10, 11, 12, allez là, je t'attends. 13, allez. 14, allez, allez. 15, bien. Super. Ok, c'est 3 exercices. Jumping jack, thruster, pompe. On les refait une deuxième fois. Ok, en position, jumping jack. Petite piqûre de rappel, les débutants. Fléchis, fesses en arrière, mais au niveau des cuisses. Là, là, là. Les confirmés avec moi. Dans 3, 2, 1, feu. Allez, 45 secondes. Respire. Allez, soufflez, soufflez. Le moins de bruit possible sur les pieds. C'est bien, et là, c'est rythmé. Continue, continue, t'es bien. Allez. Le ventre, engagement ventre. Pensez pas qu'aux jambes, pensez pas qu'aux bras. Gainez sur ses abdos. Encore. 15. Allez, on enchaîne, on est sur la fin. 5, 4, 3, 2, parfait, relâchez. Ok, prenez vos bouteilles. Deuxième thruster, rappelez-vous, les débutants, un peu plus que largeur bassin, les pointes de pied légèrement ouvertes. Je descends en demi-squat ici, là, pas plus bas, et je remonte dynamique. 25 reps, les confirmés. Allez, on descend, squat quasi complet. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, souffle monte, souffle monte, 10, souffle monte, 11, 12, 13, 15, 16, allez, 17, ça va chauffer dans les papates. Encore 5.
10, 11, 12, 13, 14, dernière, 15, ok, relâche. Child pose, 2 secondes. Petit child pose, récupéré. Buvez un petit coup, petite gorgée rapidos. On a fait le premier bloc, on passe sur le deuxième. Ça va là? Ouais, c'est bon. Même niveau débutant, c'est dur. Allez, deuxième bloc. Burpee. Vous inquiétez pas sur les burpees, il y aura des burpees pour les débutants. Pas de problème. Quelques petites fentes arrière et quelques tirages d'eau serviette, je vous expliquerai après. Ok, pour les burpees, version débutant. Pied placement squat. Écoutez bien ce que je vous dis. On pose les mains à plat, essayez, pour ceux qui peuvent. Ok, on va éviter de poser juste le bout des doigts ici, au sol. J'ai déjà vu plusieurs entorses ici du pouce là, hein. D'accord? Donc essayez les mains à plat. Ça demande plus de mobilité dans les hanches, dans les chevilles, dans le dos. Mais c'est le but, on est là pour ça, ok? Je pose les mains à plat, je vais aller poser pied droit. Et je reviens pied droit. Je me redresse et je monte sur les pointes. Je repose, ok? Droit. Planche, droit. Je me redresse et je monte sur les pointes. Ok? Pour les autres, les intermédiaires. Je pose les mains, idem, mais je pars les deux pieds. Hop, en planche. Je reviens, petit jump. Ok? On est parti. 3, 2. Alors, attendez, excusez-moi. 30 petites secondes, ça va pas être long. Les burpees, c'est plus court. On est parti. 3, 2, 1. Allez, feu. Go! Je pose. Petite. 1. Main à plat. Planche. Sur les pointes de pied des débutants. Et petit jump intermédiaire. Les confirmés. Lorsqu'on est en planche, avec moi, on y ajoute une pompe. Allez, pompe. Je reviens. Pompe. Jump. Planche, pompe. Jump. Planche, pompe. Jump. La terre. Ok, relâche. Très bien. Super. Front arrière. Main sur les hanches. Les débutants, pieds proches. Allez poser la pointe de pied droite loin derrière. Ici. Je vous montre ça. Là. Pointe de pied loin derrière. Et je reviens poser cette pointe de pied ici. Ok? Les intermédiaires. On modifie un peu la chose. Je vous demande la coordination dans les bras. Coordination. Ok? Quand je vais aller poser la pointe de pied, coordination, je monte le genou. Et on repart. Pointe de pied, je monte le genou. Ok, pareil, tout le monde. Petite pointe de pied ici sur le pied droit. On est parti sur 15 reps sur chaque jambe. 3, 2, 1. Allez, go. 1, 2. Allez avec moi les intermédiaires. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on rajoute un petit saut, le confirmé. 11. Un petit saut là. 12. 13. 14. Dernière. 15. Parfait. On change de jambe. Kiff, kiff. Envoyez. Pointe de pied gauche. 3, 2, 1. Feu. 1. Intermédiaire avec moi. 2. 3. 4. 5. 6. Appliquez-vous. 7, 8, 9, on rajoute un petit saut, 10, c'est confirmé, 11, 12, 13, 14, ok, 15, relâchez, prenez les tapis, prenez la serviette, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, une petite serviette si possible, petite, ah, si vous n'avez pas de petite, si vous avez des grandes serviettes de main, c'est pas grave. Allez pas prendre l'extrémité de la serviette. Prenez plus court, juste là. Un tout petit peu plus que largeur des épaules. Ok? Très important cet exercice. Écoutez bien ce que j'annonce. Écoutez bien. Ok? Il y aura la version débutant et confirmée. On va effectuer des relevés de buste. Les bras sont devant, légèrement relâchés. Le mouvement démarre des abdominaux. Ok? Il démarre du ventre. Même si c'est un exercice dos à la base, il démarre du ventre. On va voir le bout du nez
dans le tapis. Je vais renifler mon tapis. Ici, en espérant que je n'ai pas pris le tapis du chien. Allez, bout du nez dans le tapis. Quand je vais souffler, je décolle mon nombril du sol. Et là, chose importante, je redresse le buste. Je ne regarde pas devant. Je ne casse pas la nuque. Je continue à regarder le sol. Et là, je vais me redresser et garder la serviette en tension. Et tirer les coudes très loin derrière. J'inspire. Et souffle. On est parti, 15 derrière. Je pose le bout du nez. Serviette tendue, les coudes tirés. 2. Serviette tendue, les coudes tirés en soufflant. 3. Pas trop vite, elle est là. Avec moi. 4. Et souffle. 5. Les confirmés. On lève les jambes avec. 3, 2, 1. Go. 6. Pointe de pied très tendue. Tendez les pointes de pied très loin. 7. Les jambes vont monter toutes seules. Les fesses serrées, nombril. 8. Rappelez-vous, ça démarre du ventre. Maintenant. Les coudes. 9. Allez. Les coudes loin, les pointes de pied loin. 10. Encore 5. 11. Ceux qui sont fatigués. 12. On doit ressentir chauffer un peu dans le dos. 13. Si on sent une pointe dans le dos, on relâche. 14. L'adhère, on reste en haut. Statique. Ça bouge pas, les débutants. Les confirmés, petit battement, comme à la piscine. Allez, 8. Les coudes tirés. 7. Les coudes en arrière. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Relâchez. Bien. Parfait. Ok, petit chat de pause. Souffle. Souffle. On boit un petit coup. Ok. Ce bloc de 3 exos, on le refait une deuxième fois. Burpee, fente arrière, tirage dos, serviette. Tirage dos, serviette. Pour les gens qui sont fragiles du dos. Alors, c'est un très bon exercice pour renforcer notre dos. Malheureusement, il y a beaucoup de pathologies au niveau du dos. Les gens qui ont des petits pépins, on ne force pas. Si on sent une petite pointe anormale, une douleur insidieuse, on arrête et on se met en child. Child pose, ok? On n'est pas là pour se faire mal, on n'est pas là pour se blesser, on est là pour se faire du bien, ok? On est reparti. Allez, burpee, virez les serviettes, virez les tapis. Petite piqûre de rappel, on allait poser le pied droit derrière tout à l'heure. Maintenant, les débutants, vous commencez par le pied gauche. Et là, pied gauche, je reviens pied gauche, pointe de pied. Parfait. Ok, les autres intermédiaires, on envoie les deux pieds, on revient. On passera en confirmé en cours de route en y ajoutant une pompe. On est parti. 3, 2, 1. Eh ben non, le chrono ne veut pas. Ok, j'y suis. 3, 2, 1, feu. Les mains plates. Petit jump des intermédiaires. Planche, jump. Planche, jump. Planche, jump. Souffle monte. Souffle monte. On y ajoute une pompe, mais confirmé. Bien. Bien. Allez, une petite pompe. Toujours les coudes en delta. On est sur la fin. Ok, relâche. Parfait. Très bien. Super. Fente arrière. Main sur les hanches, les débutants. Pointe de pied. Pointe de pied droite. Ok, gardez les mains sur les hanches. Confirmé. Et intermédiaire. Coordination bras. 3, 2, 1. Ok, go, c'est parti. 1. Allez. 2. 3. 4. 5. 6, 7, solide dans la jambe avant, 8, la jambe avant, 9, la jambe avant, à la gauche, 10, 11, on met un petit saut, les confirmés, 12, un petit saut, 13, 14, la dernière, 15, voilà, je l'autre jambe, pareil, main sur les hanches, les débutants, coordination bras, montée de genoux, les intermédiaires, 3, 2, pointe de pied gauche derrière, 1, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, restez concentrés, 9, perdez pas l'équilibre, 10, petit jump, 11 pour les confirmer, 12, 13, 14, 15, prenez les serviettes, les tapis, allez, ok. Ok, on est parti.
Même chose. Rappelez-vous, bras relâchés devant. Ok. Je vais engager le ventre, comme si je voulais décoller le nombril du sol. Ok. Et là, je vais redresser le buste et tendre cette serviette et tirer les coudes loin, loin derrière. Resserrez bien ce dos derrière ici. Ok. Les confirmés. On lève les gambettes. Pointe de pied très loin derrière. Allez, 15 reps avec moi. J'inspire la tête dans le guidon. Et soufflement. Souffle. Et souffle. Relâche. Souffle. Relâche. Souffle. Tire les couloirs. Relâche. Souffle loin derrière. Relâche. Souffle. Souffle. Souffle, écoute très loin. Allez, encore quelques-uns. Ça va chauffer dans le dos. Pour 5. 4. 3. 2. La dernière, on reste en haut. Regardez pas devant vous. Petit battement, mais confirmé. 5. Le nombril, 4. Décollez le nombril du sol. Allez, allez. On tient, on tient, on tient, on tient. Encore, encore, encore. Posez, relâchez. Très bien. Super. Ok, on voit un petit coup. Bien. On vient de faire le premier, le deuxième bloc. Il reste plus que le troisième bloc. Allez, troisième bloc. Mountain climber. Version débutant, version confirmée. On va coupler les squats qu'on a fait au premier bloc et les fentes qu'on a fait au deuxième bloc. Et on fera un petit gainage piston, je vous expliquerai. Ok, gardez vos tapis au sol. On attaque par le mountain climber. Je vous rassure, ça ne va pas être long. Je pré-règle mon minuteur sur 30 secondes, 30 petites secondes. Je vous montre la version débutante. Version débutant, les doigts bien écartés sur les paumes de main, pieds joints. On va les poser épaules basses, nuque longue, fesses serrées. On va les poser la pointe de pied loin devant et je reviens pieds joints. Loin devant et je reviens pieds joints. Loin devant. Ok. Pour les autres, les confirmés, on ne pose pas la pointe du pied devant et on met du rythme. Du rythme. Ok. On est parti. 3, 2, 1. Allez, go. Gardez la planche. Nombril. Pensez ventre. Je m'en fous des jambes. Je m'en fous des bras. Je veux du nombril aspiré. Laissez pas tomber la petite brioche par terre là. Allez, 30 secondes, c'est pas long. On enchaîne, on enchaîne. Gardez le rythme et confirmez. Le ventre, aspirez. Lâchez rien. Ok, relâche. Bien. Très bien. On se relève. Virez les tapis. Allez, on pousse le tapis. Ok. Comme je vous l'avais dit, la première série de squats, on faisait des thrusters avec la... Le deuxième bloc, les fentes, on les combine maintenant. Placement squat. Là, il n'y a pas de débutant, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de confirmé. Tout le monde de la même manière. Les mêmes exos. On est tous logés à la même enseigne. Là, on va partir sur un squat classique. Main sur les hanches. Fente, les pieds sont assez écartés. Je reviens, le plus important, c'est de ramener ce pied en position squat. Si vous le ramenez n'importe comment, on ne pourra plus enchaîner un squat derrière. Ok, donc squat. On va lui envoyer la pointe de pied droite derrière pour commencer. D'abord squat. 3, 2, 1. Main devant. Main sur les hanches, fente. Squat. Fente. Ça fait 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Plus que 2. 9, 10, super, très bien. Gainage piston, reprenez vos tapis. Ça ne dure que 30 secondes aussi. Gainage piston, les débutants à genoux. Vous êtes à genoux, sur les coudes, les avant-bras, les genoux assez loin, les fesses rentrées. Ok, écoutez bien mes consignes. Lorsque je vais vous demander de vous redresser à la force des bras, on va commencer par le bras que j'annonce. En l'occurrence, je vous dirai droite,
et on reviendra à droite. On change gauche et je reviens gauche. Alors maintenant, on va essayer de tanguer le moins possible. Ok? Les confirmer. C'est jambes tendues. 3, 2, jambes tendues. 1. Ok, bras droit. Droit encore. Gauche. Gauche. Droit. Droit. Pas trop vite. Gauche. Gauche. Pas trop vite là. Droite. Droite. Gauche. Gauche. Droite. Droite. Gauche. Gauche. Droite. Droite. À votre rythme. Je vous laisse. Pause et relâchez. Bien. 30 secondes. Parfait. Ok, ces trois exercices. On leur fait une deuxième fois. Serrez les dents. Tenez le coup. C'est le dernier bloc. Trois exos à reproduire. Donc là, si on est cuit, si on est carbo, posez les genoux. Soufflez. Buvez un petit coup et vous nous rejoignez en cours de route. Rappelez-vous, on doit s'envoyer, on doit s'arracher, mais on ne doit pas se péter, on ne doit pas se blesser. Ok? Il y en a qui n'ont pas fait de sport depuis très longtemps, donc n'hésitez pas, prenez votre temps s'il y a besoin. Mountain climber, rappelez-vous les débutants. Et là tu montres, pointe de pied posée, jambes. Ok, pour les autres, on met du rythme. 30 secondes. 3, 2, 1, allez-go! Pensez ventre, pensez nombril, gardez cette planche. Allez, on garde les bras verrouillés. Si ça chauffe dans les bras, c'est pas grave. Si ça chauffe dans les jambes, c'est pas grave. On veut que ça chauffe dans les abdos. On veut que ça chauffe dans le ventre. Allez, on est sur la fin. Encore. Relâchez. Bien. Super. Allez, deux exos. Deux exos. Allez, deux. Deux vaches. Après, on s'allonge sur le tapis. On fait quelques petits abdos tranquilles. Ok? Rappelez-vous, on combine squat, fente, squat, fente, ok? Avec moi, 10 répétitions. Placement squat est là, un tout petit peu plus large, les appuis, pointe de pied légèrement ouverte, parfait. 3, 2, 1, squat, main sur les hanches, squat, 2, squat, j'écarte les pieds sur la fente, 3, squat, 4, bras devant, les hanches, 5, bras devant, sur les hanches, 6, 7, là, 8, là, 9, là, 10, super, relâchez, très bien, allez, on reprend le tapis, gainage piston, rappelez-vous, les débutants sur les genoux, je monte sur un bras, je redescends avec le même. Ensuite, je change. Un bras, je redescends avec le même. Ok? Allez, 30 secondes. Et là, rentre un peu les fesses, on ne tombe pas. Non, descend pas les fesses. Remonte un peu, rentre un peu. C'est bien. Ok, 3, 2, 1. Ok, j'ai entendu les confirmer. N'allez pas trop vite, prenez votre temps. Je préfère qu'on aille moins vite sur cette série, mais qu'on prenne le temps de tanguer le moins possible. Allez, on est sur la fin. Encore 3, 2, 1, relâchez. Parfait. Voilà. Super. On a fait les 3 blocs. Restez sur le tapis. Buvez un coup quand même. Buvez un coup quand même, un petit coup rapidos. Alors on part sur une petite série d'abdos. Ceux qui ont des petits soucis au niveau des cervicales et du dos, ce que je veux dire par là, je le précise, ceux qui ont tendance à, qui ont passé plusieurs décennies à avachis sur leur ordinateur, d'accord? Ou alors avachis sur la tête de leur patient, ok? Et qui sont légèrement un peu arrondis au niveau du dos, là, du haut du dos c'est légèrement un peu rond. Prenez-vous cette votre serviette, pliez-la en deux, puis en quatre, puis en huit, ok, histoire de faire une petite épaisseur, et posez la tête dessus. Pour les autres, ceux qui n'ont pas de soucis au niveau du dos, ok,
Tu arrives à avoir un bel alignement du dos. Pas besoin de petits coussins. Pas besoin de petits coussins. Donc une petite épaisseur ici. Ok. Ramène genou poitrine. On dérouille un peu les lombaires. Voilà, je ramène près de moi, j'éloigne. Près de moi, j'éloigne. Ok. On part sur trois petites séries d'abdos. Allez, courage, ça va pas dire. On va faire trois abdos allongés sur le dos, de la même manière. Et trois exercices d'abdos en gainage. Ok. Premier abdo, c'est le classique, le plus classique qui soit. Allez poser les pieds à plat, proche des fesses. Proche des fesses. Je dois presque pouvoir toucher mes talons et mes chevilles, normalement. Les mains derrière la nuque. On peut croiser les doigts et soutenir un peu la tête derrière. Ok. Alors, la priorité, c'est pas le relevé de buste. La priorité, c'est l'engagement ventre. Lorsque je souffle, regardez, nombril rentré, plaqué. J'essaie de creuser ce ventre autant que possible. Essayer de plaquer mes abdos contre mes viscères contre mes lombaires contre mon tapis. Et là, je vais pouvoir monter en toute sécurité. On est parti. Allez, je lance le timing. La minute. Ah oui, celui-là, c'est la minute. Hein, je ne vous ai pas dit. La minute. 3, 2, 1. Go. Souffle fort. Souffle. Je reviens, j'inspire. Souffle fort. Souffle nombril. On continue, il y a la minute à faire, la minute à faire, ok? Rappelez-vous, l'expiration abdominale, la priorité, ça reste votre ventre rentré, plaqué, serré. Je souffle nombril dedans et je peux monter en toute sécurité. Souffle ventre, souffle rentre, plaque et ça monte. Allez, comme elle là, souffle ventre et ça monte, ouais. Elle nous fait jamais le ventre gonflé là-haut, super. Quand vous montez, je veux voir du ventre plat. Ventre plat sur l'élévation. Allez, ventre plat, 20 secondes, ça va chauffer un peu, ok? Comme d'habitude, douleur quelconque, cervicale ou dorsale, lombaire, je relâche, je relâche, je reste allongé, genou poitrine, je dérouille un peu. Allez là, allez tout le monde, 5, 4, 3, 2, 1, posez, relâchez, on part en gainage. Ok, petit roulé-moulé sur le côté comme là, hop, et on passe à quatre pattes. Ok, je vous explique, les doigts écartés, les pouces collés. Je veux que les pouces soient joints sur ce gainage, bras tendus. Pouces joints. On décollera une main au sol, du sol par intermittence pour toucher l'épaule opposée. Ok. Puis on reposera les pouces joints. L'épaule opposée, pouces joints. Débutant comme elle a, sur les genoux, assez alignés. Les genoux sont loin, sont pas sous les hanches. Ah, pour les confirmer, ça se fait jambes tendues. On est parti sur 30 secondes. C'est pas long. 3, 2, 1. Allez, feu! Les pieds sont écartés. Les pieds sont écartés. Les mains sont joints. Et j'essaye de tanguer le moins possible. Souffle ventre. Souffle ventre. Laissez pas tomber la petite brioche au sol. Gardez cette brioche planquée à l'intérieur. Le ventre dedans. Relâchez, posez. On repart s'allonger sur le dos. Petit coussin pour ceux qui en ont besoin. Les autres, il n'y en a pas besoin. Ok. On enchaîne. On ramène genou poitrine. Petit va-et-vient. Voilà, calez bien vos lombaires. Cette fois-ci, on va reposer uniquement la pointe de pied au sol. Très proche des fesses. Que la pointe. Les talons ne bougent pas. On va faire un crunch gros, semi-groupé. Crunch semi-groupé. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais ramener un genou. Et en plus, on va le croiser. Là, coude vers genou opposé. Je repose la pointe de pied. On est parti. Une petite minute. 3, 2, 1. Go. Et j'alterne l'autre côté. Un coup, coude droit. Un coup, coude gauche. Un coup, jambe droite. Un coup, jambe gauche. Rappelez-vous, l'engagement ventre. Allez, regardez votre cuisse. Souffle nombril. Bien. Souffle ventre. Exact. Comme est là. C'est ça. Souffle ventre. Voilà. L'élévation buste, je m'en fous. Faites-moi taille de guêpe quand vous soufflez. Vous pouvez relâcher le ventre quand vous reposez et souffle, réengage le ventre. Je relâche le ventre quand j'allonge et je réengage. Allez, faut que ça brûle. Si vous sentez une petite brûlure dans les abdos, tant mieux. Bossez dessus. N'essayez pas de l'éviter cette brûlure. Au contraire, il faut y aller dans la brûlure. Rappelez-vous, cervicale, lombaire qui titille, je m'arrête. Allez, on est sur la fin et là. 6, 4, 3, 2, 1, parfait, relâchez, super, gainage, ok,
Très bien. Gainage en piston. Gainage twist, pardon. Gainage twist. On va voir les avant-bras qui se touchent ici. Là. On va poser les avant-bras. Pour les débutants, comme là, ça se fait à genoux. Regardez bien là, les genoux sont assez loin. Les genoux un peu écartés. Les genoux un peu écartés. Je vous montre la version débutante. Ok. Les genoux sont un peu écartés. Lorsque je vais twister, lever le bras droit vers le ciel, je tends donc la jambe du même côté du bras. Là. Mais j'ai gardé un genou au sol. Je repose. Pareil de l'autre côté. Et je repose les deux genoux. Puis je tends l'autre jambe. Là. Puis je repose. Pour les autres, les confirmer, ça se fait les deux jambes tendues tout le temps. On est parti pour 30 secondes. 3, 2, 1. Allez, go! Inspire. Souffle fort. Attention, on ne s'écrase pas dans l'épaule. Poussez dans l'épaule. Poussez. Poussez. Grandissez-vous dans cette épaule. Et on enchaîne. Voilà, ça twiste d'un côté, ça twiste de l'autre. Voilà, suivez le rythme avec Ella. On ne s'écrase pas dans l'épaule. Relâchez. Super. Allez, dernier sur le dos. Dernier en gainage. Et on s'étire. À la douche. À la douche. Allez, deux exos et à la douche. Ok. Ok. Ceux qui sont légèrement un petit peu trop arrondis au niveau du dos, posez le petit coussin. Les autres. Sur le dos, je ramène le poitrine. Ok. On va les reposer de nouveau. Les deux pointes de pied proches des fesses. Main derrière la nuque ici. Croise les doigts pour ceux qui ont besoin. Sinon les autres, juste bout des doigts derrière les oreilles. Et la crunch groupée. Je ramène les deux genoux, c'est ça. Comme elle a. Là, les deux genoux, les deux coudes. Et je reviens. Rappelez-vous, souffle ventre. Et là, je vais pouvoir grouper en toute sécurité. On part sur la petite minute. 3, 2, 1, go! 1. Allez, le ventre, le ventre, le ventre. Souffle non, 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 non. Encore. Focus sur vos abdominaux. Focus sur votre ventre. Hey, ce que j'appelle la respiration abdominale thoracique est essentiellement abdominale. Thoracique, ça reste encore complexe. Pensez nombril aspiré, je vous demande qu'un engagement du transverse. Je vous demande pas le périnée et autres. Transverse. Resserrez cette taille, faites-moi taille de guêpe et relâchez. Serrez taille de guêpe et je relâche. Serrez taille de guêpe, c'est ça. Rappelez-vous, les mains sont là pour soutenir la tête et non pas tirer dessus. Hein. On ne tire pas, on ne monte pas à la force des bras. 10 secondes, on monte à la force des abdominaux, du ventre. 5, 4, 3, 2, 1, posez, relâchez, dernier gainage et à la douche. Dernier gainage à la douche. Allez, on termine en beauté. On se fait un petit gainage Superman. Alors, petit gainage Superman. Il y aura la version débutante, on reste à genoux. Il y aura la version confirmée, ça se fera jambes tendues. Doigts écartés, les pouces qui se touchent, on a les mains joints. Si ça se chevauche, c'est même mieux. Si vous êtes plus à l'aise ici, c'est même mieux. Okay, mais les mains doivent être très proches. Très proches. Jambes tendues, pieds écartés. Ok, pour les débutants, on reste à genoux, comme est là, et on va décoller bras et jambes opposés. Lentement, souffle ventre. Et on revient. Ok, on est parti. 3, 2, 1, allez, go! Souffle ventre, et j'essaie de tendre le moins possible. J'inspire, souffle gain ses abdos. Et là, j'aurai tout bétonné. Ok, si on veut que l'édifice reste immobile, l'édifice reste solide, lorsqu'on retire deux appuis, il faut bétonner son ventre. J'inspire, à la force des abdos. Souffle. Souffle. Parfait, relâchez. Super. Ok, charrette pause, comme elle a. Tout le monde, pareil. Charrette pause. Charrette pause. Ok. Ok, soit les bras devant, soit les bras le long du corps, on attrape les chevilles, on pose le front seul. On pose le front. Ou un peu des deux, comme vous le souhaitez. C'est ça. Parfait. On vient s'allonger sur le dos. On s'allonge. Allez, on se fait quelques petits étirements très brefs. Quelques petits étirements. Ok. Très bien. Ok. On ramène le genou poitrine. Ok. Prête soit on éloigne. Prête soit on éloigne.
Près de soi, on éloigne. Ok. Gardez uniquement le genou droit près de vous. Gardez uniquement le genou droit et on tend la jambe gauche au sol. On garde genou droit et on tend la jambe gauche. Jambe gauche, pied flex. Pied flex. Tirez ce genou près de vous. Voilà. Allez, tirez bien ce genou près de vous. Réfléchissez la jambe gauche. Et tendez cette jambe droite vers le ciel. Tendu. On essaye d'attraper. Croisez les doigts derrière la cuisse. Pour ceux qui sont plus souples, derrière les genoux. Et pour les autres, derrière le mollet. On va rapprocher le front du genou et le genou du front. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Posez. Alors cette même cheville droite, on va venir la poser ici. Au-dessus du genou gauche. Ok? Au-dessus du genou gauche. Et venez passer les deux mains de part et d'autre de la cuisse. Là, pour attraper ce genou. Là, et on ramène vers soi. On ramène vers soi. Voilà. Ramenez ce bloc jambe vers soi ici. Gardez tête posée au sol. Allez. Et on les tire ici. Soufflez. Posez, relâchez. Très bien. Super. Ok. Ramenez le genou gauche près de vous. Tendez la jambe droite. Pied flex. Pied droit flex. Poussez ce talon droit loin devant. Tirez ce genou près de vous. Tirez, 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 tirez. Ok, fléchissez cette jambe droite. Tendez la gauche. Main derrière les cuisses. Ou genou ou mollet. Jambe tendue. Je rapproche le front du genou. Le genou du front pendant 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez cette même cheville gauche ici sur le genou droit. Attrapez le bloc genou et ramenez ce bloc jambe vers vous là. Et gardez. Soufflez, relâchez. Soufflez, relâchez. Ouais. Parfait, relâchez. On fait un petit roulé-boulé sur le côté gauche. Allez, on passe à quatre pattes. Comme ce qu'on a fait l'échauffement, on fait un dernier petit chien qui est en bas. Et à la douche. Allez, à quatre pattes. Les mains sont légèrement à l'avant des épaules. Écartez grand les doigts. Écartez grand les doigts. Ok. Je crochète bien les chevilles, je crochète bien les orteils, tous les orteils dans le sol. On le décompose, on décolle les deux genoux. On rentre à l'intérieur, on sort les fesses. Sortez les fesses. Gardez les deux genoux fléchis. Gardez les deux genoux. Rentre à l'intérieur. Voilà. Ok, on va essayer de tendre les deux jambes simultanément. Là. Les talons au sol. Là. Enfoncez les talons dans le sol. Genoux tendus. Et on essaye de rentrer à l'intérieur encore. Allez bien. 3. Allez, ça va tirer. 2. Montez les fesses vers le ciel. 1. Marchez avec les mains reculons. Les mains sur les cuisses, déroulez lombaires. Tendez pas les jambes encore. Ouais, tendez les jambes à la toute fin. Relâche. Voilà. On se l'est fait. On se l'est fait cette petite séance. Voilà, donc je regarde le timing. On est quand même à 1,03. On s'est fait une grosse heure. Une grosse heure. Mais on a eu un gros échauffement, beaucoup de mobilité articulaire avant. C'était plus qu'un échauffement, certes, on a fait quasiment presque 20 minutes. 20 minutes d'échauffement compris avec la mobilité articulaire, ce qui est déjà un effort en soi. C'est pour ça qu'on a légèrement, allègrement, on va dire même débordé. On est à 1,03, j'avais prévu 55 minutes. Bon, alors j'espère que la séance vous a plu. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer quelques mails. Si vous avez des commentaires, envoyez-moi des mails. Normalement, mon email sera dans le descriptif de la séance. Et essayez de faire cette séance deux fois. Deux fois dans la semaine, ok? Laissez deux jours de récup entre les deux séances. Et si elle vous a plu, bah, on essaiera de se faire ça une nouvelle fois dans les séances les semaines à venir, ok? Bon allez, ciao, bye bye. Bon courage à tout le monde. Restez chez vous.